Salut à tous et bienvenue sur Mordheim, c'est Mickey. Donc aujourd'hui, nouvel épisode avec les répurgateurs. Donc, lors de la dernière partie, on a perdu le deuxième chef. Mais du coup, j'en ai profité pour recruter un nouveau héros répurgateur. Et j'ai attribué les noms. Donc, comme vous m'avez demandé, hein. Donc, Barnabas, je t'ai mis le capitaine répurgateur, que j'espère que ça t'ira. Hein. Agathe, je t'ai mis la contrebandière, hein, comme tu m'as demandé. Pendragon, le templier, hein, comme on avait vu ensemble. Je l'ai laissé en épée bouclier, hein, et continuera à être un tank. Sinon, Bernator, donc le prêtre loup, et donc Mishmoud, je t'ai mis sur le héros répurgateur. Donc voilà, donc du coup, bah, maintenant j'ai attribué les différents points, hein, pour tout le monde. Donc Barnabas, on va mettre un point en force. Histoire qu'il puisse avoir plus de. Enfin. Prendre une charge supplémentaire. 2 en agilité. 2 en intelligence. Parce que je compte le mettre à 9. Oui, 9, ça m'a l'air pas mal. Et 1 en commandement. 3 en capacité. Les 3 points en capacité. Que bon, il va rester tireur, hein, donc voilà, hop, appliquer, on confirme, voilà qui est fait. Ensuite, donc Pendragon, donc en templier, donc bon, lui on va le faire en full force et full endurance, hein. Voilà. Je vais y mettre de l'intelligence en plus. Voilà. Pareil, hein, je vais le mettre au niveau enfin à 9. Comme ça il aura accès à donc une capacité qui lui permet d'avoir plus 1 en déplacement. Et le reste je vais lui mettre en capacité de combat. Voilà, pour voilà, du coup ça lui fait une parade à 58%, ce qui est plutôt pas mal, hein, pour un début de partie. Voilà, appliqué, voilà qui est fait. Hop. Ensuite, on va EP Agathe. Donc elle, bah, je vais lui mettre plus ça en force, hein, pour les mêmes raisons. Et plus 2 en endurance. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui mettre plus 3 en commandement. Comme ça, elle aura accès à une capacité que j'ai envie de lui donner. Et je vais augmenter sa capacité de tir au maximum. Voilà qui est fait. Hop là. Donc, bon, bah, Mishmoul, vu que c'est un nouveau perso, bah, il n'y a rien à lui mettre. Hein. Et il reste donc. Voilà, Bernator. Et lui, donc, je vais lui mettre 2 en force. Voilà. 2 en intelligence. Et. Et 2 en capacité de combat, je pense que ça peut être pas mal, comme ça, voilà qui est fait. Voilà. Donc maintenant, bah, je paie les hommes de main aussi. Hein. Donc, lui. Alors. Je vais mettre 1 en endurance et le reste en agilité. Voilà. La vigilance à fond.
reste, le commandement s'en fiche, hein. Parce qu'ils sont, ils sont immunisés à tous les tests. Et l'intelligence, on s'en fiche aussi. Hein. Donc voilà. Et sinon, je vais augmenter sa précision. Voilà, à fond. Voilà qui est fait. Ensuite, lui. Alors, lui. On va lui mettre deux. On va lui mettre. On va voir en endurance. Hein. Hop. Deux en commandement. Le reste en capacité de combat, ça peut être pas mal. Voilà, comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Allez hop. On applique pour lui. Voilà qui est fait. Ensuite. Lui. On va les mettre hop, à fond endurance. Ça va être des mini-tanks, hein, les deux séides, là, le blanc et le vert, là, qui n'ont pas encore de nom, hein, donc pour ceux qui veulent, n'hésitez pas, hein, si vous voulez incarner un perso, il reste de la place encore, donc n'hésitez pas. Donc, lui, on va lui mettre, voilà, commandement à fond, et la capacité de combat à fond. Voilà, on confirme. Alors lui, qui est un hybride, hein. Parce que, enfin, pourquoi je dis hybride? Parce que c'est un tireur, mais après il débarque avec ses deux armes, ses deux épées, hein. Donc il va être à la fois tireur quoi, et à la fois corps à corps. Donc lui, bah, je pensais le mettre plutôt sur l'agilité du coup. On va augmenter un petit peu le commandement et hop, deux en précision. On applique, voilà qui est fait. Donc il restera lui. Donc lui, bah, je vais le mettre en full agilité. Hein. Je vais augmenter sa vigilance au maximum, ainsi que sa précision. Voilà qui est fait. Et pour finir, le dernier. Voilà, lui, il est blessé. Lui, je vais pas le mettre tout de suite. Non, je vais attendre un peu. Mais par contre, je vais le faire intervenir tout de suite. À la place du mec qui a 4, que je vais laisser reposer. Voilà, voilà qui est fait. Bon, elle, je vais essayer de la faire passer. Agathe, je vais essayer de te faire passer au niveau 3 le plus vite possible, histoire que tu en aies 6, hein, des capsules d'attaque, histoire que tu puisses tirer deux fois. Alors, bon, on est pas mal, je crois. Donc, du coup, ah oui,
pour passer le tour suivant. Voilà qui est fait. Voilà, rien. Voilà, bon, la livraison arrivera, on a encore le temps. Bon, ça méritait peut-être que je passe au niveau. Voilà, on va faire ça. Comme ça, on arrive pile poil au niveau de réputation supérieure. Voilà, comme ça, ça coûte plus cher pour les. Ça rapporte plus pour les autres. Voilà qui est fait. Donc chargement transit 3. Ok, donc voyons voir qu'est-ce qu'on a de disponible. Ok. Ah, je pense que je la ferai au prochain tour. Là. Alors. Moyenne mauvaise. Bonne moyenne. Alors, une bande se déploie autour de son chariot, tandis que l'autre est dispersé dans la zone effrayée par quelque chose. Ouais. Je préfère quand même celui-là, hein, où on est à proximité de notre chariot. Même si ça rapporte moins, parce que là on est en bonne moyenne. Là on est en moyenne. Je pense que c'est celle-là que je vais prendre. On va voir. Ouais, on va faire ça. Et donc on va lancer et déployer. Hop, bah c'est parti. These warriors are clustered around their wagon, making them a very attractive target. Donc bah c'est une mission difficile hein, donc ils vont avoir des bonus hein, plus résistants, ils vont taper plus fort, plus de points de vie. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Allez. Alors, bon, déjà on peut voir qu'il y a un truc ici. Alors, bon, je suis contre d'autres gars de Sigmar qui vont être aussi autour de leur truc. Alors, on peut voir que c'est vraiment. Comment je vais la jouer? Je pense que ça pourrait être pas mal si je mettais Agatha ici. Bon, je sais pas trop comment je vais la jouer encore. Hop. Voilà. Alors. Lui, il va courir le plus vite possible. Et mais est-ce qu'il va juste faire l'aller-retour ou est-ce qu'il va aller directement là-bas? Je pense qu'il va aller directement là-bas, hein, ce qui est mieux. Ou alors directement. Non, ici, je pense que je vais envoyer les héros. Enfin, le plus vite possible. Au point de rendez-vous de là où il y a les pierres magiques. Je vais faire récupérer celle-là. Hop, un éclat. Alors. Coup des attaques au corps à corps plus ça. Hop. Objectives updated. Ok, coup des sorts, on s'en fiche. Objectives updated.
Il y a un effet positif. Ok, 20% d'absorption d'armure en plus. Bon, c'est toujours pas mal. Allez, lui, on va le faire aller tout droit. Ou alors, pas du tout. Il va aller par là. Voilà. Faut que je fasse attention aux pièges, parce qu'il y a pas mal de pièges dans le coin. Voilà. Ok. Lui va suivre les autres. Alors, on lui va lui faire contourner. Alors, lui il va aller par là. En fait, ce que je vais faire, c'est que les trois CI là qui sont là, je vais les faire aller ici. Je vais essayer de mettre la contre-embrambière ici. Et en fait, les deux flagellants, je vais les mettre par là. Ils arriveront en renfort. Et je vais mettre le Templier par ici. Et avec le général, je vais essayer de. Ah, quoique. Parce que le général serait pas mieux, peut-être que je le mette ici aussi. Voilà. Bonne question. Hop. Je crois qu'ici j'ai essayé de mettre un piège. J'essaie d'en mettre un petit peu partout hein, des pièges. Hop.
Hop, tac. Voilà, sur d'alerte pour le moment. A new round has started. Hop. Bon, je vais essayer de voir si par hasard je vois pas quelqu'un. Bon, pas l'air d'y avoir grand monde hein, pour le moment. Hop. Hop, on le laissera pour le mec en blanc. Ok, il n'y en aura personne. Voilà, je le mets en plus sur d'alerte au cas où il y aura un mec qui passerait par là. Hop, je récupère un fragment. Ah, bien joué. Pas eu de debuff. Ok. Alors. Hop. Je vais passer tranquillement. Ah, dommage. J'avais pas vu lui. Moins 25% de toucher au corps à corps à distance. Ah. Lui, il va pas combattre tout de suite, hein. Voilà. Alors lui, il va continuer, je crois qu'il va récupérer le maximum de ma pierre.
Alors, Pendragon. Lui, il va suivre les flagellants. Ouais, je crois que c'est là qu'ils vont aller. Je crois pas qu'ils puissent. Oh si, quoique. Allez, on va devoir faire le tour pour monter. On peut monter que par ici. Ouais, donc ça va être parfait si jamais je. C'est vraiment ça la difficulté vraiment avec la contrebandière, c'est de trouver vraiment le bon spot. Bon. Hop. Continue à la rester en embuscade. Hop. Je vais voir s'il y a personne dans le coin. Ok. Bon, on a déjà. Ouf, oui. Ok, ouais, tu vas faire demi-tour, Agat. Ramassage de malpierre, voilà. Oh, je l'ai pas prise. Petite P. Hop. Objectives updated. Oh, effet bénéfique. Plus 3 mètres de distance de déplacement. Objectives updated. Objectives updated. Ok. Ah mince, j'ai utilisé le piège donc je peux pas me mettre en position d'alerte. Ah dommage. Un peu risqué, je vais la mettre dans la baraque, on va le cacher. Voilà. A new round has started. Alors, donc un Seid qui va jouer en premier chez eux. C'est pas lui, c'est lui, mais il est peut-être un peu loin.
Voilà, je vais me mettre comme ça pour l'attendre tranquillement. Ils l'ont vu ici. Alors. OK. Alors, on récupère le fragment. Lui, il va attendre tranquillement ici. Au cas où t'as un mec qui viendrait en embuscade de ce côté-là. Voilà. Ok. Je crois qu'il va pas beaucoup tirer lui. Mais ça pourrait être un bon piège. Alors, voilà, lui il bouche les deux entrées, c'est plutôt pas mal, comme ça, voilà. Lui, il va aller récupérer les malpierres, il m'en faut plus que 3. D'accord, dommage, valeur... Ah non, c'est bénéfique ça. Plus qu'un champ... Oh, bien joué. Hop. Espérons que je vais pas avoir trop de debuffs. Oh, joli. Objectives updated. Voilà, un éclat. Objective completed. Je vais peut-être aller voir, rester là. Je prends pas les pauvres fragments qui restent. Je vais regarder les deux autres spots s'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant. Mmh.
pas vu celui-là. Ouf. Enfin. Hop. De toute façon, lui, pour le moment, faut pas qu'il combatte. Oh, raté, dommage. Oh, il peut me charger. Oh là là. Voilà, charge de ma part. 32. Ouf, moins 45. Voilà, moins 30. Moins 23. Moins 55. Il fait mal avec sa lance quand même. 2. On ne dit pas qu'il en a un troisième. Non, c'est bon. Bon, par contre, Pendragon, là, tu vas arriver à la rescousse tout de suite. Parce que sinon, ça va être tendu. Hop. Essayer de maximiser au plus possible. Bon, tu vas pas avoir de jet pour parer, mais si tu fais suffisamment de dégâts. Bon, tu as raté, c'est pas grave. Voilà. Putain, vivement que j'ai une épée mieux que ça quand même, hein. À chiller, parce que là, faire du 20 par 20, ça, ça pique un peu. Alors, il a été vu. Il a été vu là. Ok. 59, 71, 73, ouais, 73, voilà, moins 38, c'est déjà ça. Ouh, moins 80. Objectives updated. Ouais, c'est un peu sévère quand même, hein. A new round has started. Un petit peu sévère. Ok, moins 20. Voilà, raté, ça c'est beau. De 1. Voilà, touché. Il a loupé sa parade. On lui remet un petit taquet. Qu'on rate. 82%. Oh, j'y crois pas.
Hop, la parade. Je suis un peu dégoûté quand même pour mon... Ah bon. Oh là là, moins 25 à cause de Piotr du carreau. Oh là là. En même temps, c'était impossible quoi. Je suis 98 sur 28. J'aurais dû charger. Ok, bon bah on va. Hop, on prend la grappe. Alors, effet positif. C'est quoi l'effet positif? 20% d'absorption d'armure. Ok. Oh là là. Il loupe pas. Hein. Je suis un peu dégoûté là pour mon. Ah, je lis la parade. Je suis un peu dégoûté là pour le moins 80. Le critique là. Allez, Pendragon, s'il te plaît, fais-moi sans faute. Voilà. Pas mal, il a loupé sa parade. Voilà, encore un. Il reste combien? Il reste combien? 25 points. Oh non! Dommage. Là, son général n'est pas encore arrivé. Oh là là. Bon, il bloque son homme de main, c'est déjà ça. J'y crois pas, purée. Là, va pas y avoir le choix, là, c'est de combat au corps à corps. Ah oui, raté. Et après, il a encore un coup. Oh, moins 43. Pff, fait tellement mal. Hein. Enfin, déjà qu'en normal, je suis pas sûr que je... je la gagne, c'est là parce que pour le moment j'ai vraiment pas de peau. Hein. Alors, lui il va mourir,
Oh là 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 là. Hop. Oh, parade, joli. Mais je peux pas contre-attaquer. Ah oh, oui, esquive, magnifique. Mais après, il utilise. Bon, de toute façon, ils sont pas attaqués. Il va faire le tour du coup. Oh là là, oh mais non, oh là 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 là. Ouais, vraiment pas de peau, hein. En plus, on fait vraiment zéro comme dégâts, quoi. Hop. Allez, avec un peu de chance, bon, il reste 10 points de vie. C'est vraiment mal barré, hein. Oh non. Et en plus, je loupe même les lancers à 84% pour grimper, quoi. Bien caché. Ah mais c'est pas croyable. Franchement, j'ai passé la partie à louper des jets de pour toucher quoi. Oh, joli. Bon, il a loupé. Oh, c'est pas croyable ça. Ouais, par contre, oui. Et je le tue même pas. C'est vraiment pas croyable. Oh, quand même. Lance, bouclier. Non, bah non, ça sert à rien. Bon, c'est vraiment mal parti, hein, cette partie. Conseil des éclaireurs. C'est quoi ça? Voilà, parade, c'est bien. Un dragon.
Oh, il rate. Joli. Oui, bon, ça c'était prévisible. Oh là là, il fait tellement mal avec son épée de main, lui. A new round has started. Voilà, Agatha. Stop, les finis le moi, lui. Oh purée, c'est pas croyable. 82% de chance. Bon, allez, je me mets en parade au cas où. Parce que je vois que j'ai un truc pour riposter. J'y crois moyen. Voilà, esquive. Bien fait. Continue sur le même, voilà. Oh, raté. Franchement, les louper à 82%, là, ça commence à bien faire. Hop, voilà. Et on va continuer à viser le flagellant qui est là. Voilà. Bon, on s'en fiche. -40. Allez, en espérant que on va avoir droit à des loupés de la part des. En même temps, parade, j'étais un petit peu optimiste. Voilà, loupé. Il loupe lui aussi, pas mal. Hop, lui non. Je peux peut-être le finir en deux coups, lui. Allez, Pendragon. Allez. Ah, dommage. Il me restera 3 points. Donc je vais être obligé. Voilà. Bon, faut que tu tiennes, Pendragon. Je crois que la partie dépend de toi. Là. Ah. Surtout que là, il commence à enchaîner les ratés. Donc. Oh, dommage. Faut qu'il loupe la prochaine, sinon t'es mort. Ah oui, bien joué. Oh là là. Bon bah, Pendragon, hein. T'es mort. A new round has started. Voilà. Voilà, réussite. Bon, allez, en deux coups. Enfin, je peux faire maximum 42. Oh, non mais d'accord, si je fais 15 aussi. Faudrait un critique pour le tuer.
bon, si je le touche. 82%, putain, il aura tellement fait de louper celui-là. Ah bah voilà. Je me suis demandé. On va se replier. On va se mettre dans une position histoire de protéger les flancs de... D'Agathe. Agathe de Pouir. Bon, on va peut-être le ramener un petit peu à la combat, lui. On recharge. J'ai quoi quand même avec lui? Une épée. Si je fais ça, est-ce que je peux avoir... Ah oui, une posture d'embuscade. Génial. Ouais, ah mais pas assez loin. Ouais. Je fais la parade. Ok. Oh là 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 là. Oh, moins 51. Pff. Il vient de me mettre 105 de dégâts en un tour. Oh là là. A new round has started. Allez, moins 42. Ouais, ça va pas être suffisant. Ah, pour 5 encore. Enfin, franchement, si jamais à chaque fois j'avais mis 3 points de dégâts ou 4 points de dégâts en plus, je me serais peut-être pris des attaques en moins à certains moments. Ok, de toute façon je suis full, ça va pas servir à grand chose. Allez Agathe, ouf, de toute façon il reste tellement de... Ah quoique, est-ce que je peux... Ah, je peux faire un repli. Je peux peut-être le finir lui derrière. Non, pas une charge sur lui. Voilà. Non, y a rien.
objectives updated. Allez, finis-le. C'est pas croyable. Voilà. De toute façon, il est mort au prochain tour, hein, parce que on va forcément se prendre un coup. Ah mais ils sont en dessous de la limite là. Objectives updated. Là, je prends une épée. Oh, c'est pas croyable ça. Le nombre d'attaques qu'il aura mis dans le vent lui. Ah, il réussit, purée. Bah oui. Le pire c'est que c'est moi qui vais finir par perdre quoi. Parce que là j'avais fait une belle remontée mais là... -41. Réussite, mais pas de beaucoup. Est-ce que je peux... Ah, je peux pas reculer. Ça rate, j'y crois pas. Moi j'étais obligé de faire ça parce que sinon je vais me prendre une embuscade. Enfin, le problème c'est que là elle est morte là. Regarde là. C'est pas croyable ça. C'est pas croyable. Oui, lui par contre il va pas louper bien sûr, il va me remettre un taquet derrière, voilà, purée, j'ai perdu toute ma bande en une partie.
j'ai esquivé une, c'est déjà ça. Oh, moins 41, purée. A new round has started. Hop. Et un. Oh, et raté encore. Je serais curieux de voir combien de loupés j'ai fait sur cette partie quand même. Est-ce que ça va être pareil? Non? Bon, bah c'est déjà ça. Oh là là. Évidemment, du coup, vu que j'ai changé d'arme, gadget joué en dernier. Bon, bah, c'est fini, hein. Vraiment pas de bol, hein, sur cette partie. J'ai rarement vu ça, quand même. Et là, il va m'achever. Ah non, même pas. Ah là, je vais perdre la partie. Enfin, là, au moral, c'est fini. Oh, j'y crois pas. Je réussis. Oh, je réussis tout. J'y crois pas. Esquive, bien sûr. Il lui reste 2 points de vie. En gros, là, ça, c'est le résumé de la partie. Un loupé et je ne le finis pas encore à 2 points de pauvres petits points de vie de malheur. C'est pas croyable. Bon, ouais, voilà, c'est la fin. Voilà, on est tous morts. Bon, bah Barnabas, bah, homme du match de notre côté. Hein. Purée, j'y crois pas, quoi. C'était la foire au manque de chance, quoi. Warning from Mighty Sigmar. Repent the weakness within you, if you would prevail. Bon, bah espérons qu'on va avoir plus de chance au niveau des blessures. Alors. Bon, récupération totale. Il a eu le temps de me récupérer mes affaires. Blessure ouverte. Récupération totale, c'est cool. Pendragon. À un point du. À un point du level up. Lui, blessure ouverte. Agonie. Il va être indisponible pendant 5 jours. Lui. Récupération totale. Remarkable. Il level up. Enfin, lui, il s'est fait voler son. Il s'est fait voler son attirail, lui. Bah oui, exactement. Récupération totale. Agate de power. Jambe amputée. Génial. Une contrebandière avec une jambe amputée, qui ne peut plus sauter, qui ne peut plus grimper. Enfin si, elle peut sauter, mais elle peut plus grimper. Enfin, mouvement réduit d'1 mètre.
C'est génial, quoi. Bon, bah désolé Agathe, hein. Lui, comment il finit? Récupération totale. Il level up. Et lui, récupération totale. Donc en gros, récupération totale pour tout le monde quasiment. Sauf pour celle qu'il fallait pas, quoi. Bon bah. Oh là là, ça coûte cher le traitement en plus. 30 pièces, entretien. Hop. Oh là 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 là. Donc pistolet de duel. Lui, il lui manque un fléau. Voilà. Lui, c'est tout fait piquer, hein, c'est la fête. Je me tâte parce qu'il m'a quand même fait très mal quand même. Remettre en tant que normal. Ah, lui, il a plus rien. C'est tout fait voler. Je vais le mettre en épée à deux mains, lui, plutôt. Ouais, lui, il a rien. Bon, bah voilà. Du coup, bah, je pense que les prochains, ce seront Mishmoul et Bernator, hein, qui vont entrer en jeu. Mais je vais y mettre une deuxième arme, parce que là, c'est pas possible. Hein. Une dague en plus, bon, si tu veux, allez. Elle, pareil. Donc voilà, donc bah, je vais passer le tour. Hein. New hired swords are available. Ok, pas grand chose. Donc il y a un chargement en transit. Ok, on va regarder la boutique. Je crois qu'on va l'acheter, un annonce de malheur là, parce que franchement. Parce que là, franchement, j'ai quasiment rien comme dégâts. Quoi intéressant. Ok. Non, je vais acheter un. Oula. Je vais remettre le Barnabas. Viens là. Je vais te remettre avec. Une arbalète à 2 points, voilà. Est-ce que toi, du coup, je te mettrais pas. Ce serait que t'es enfin. Honnêtement, ça te sert à rien. Hein. Je te mets une armure légère, une armure lourde. Une armure lourde, c'est du
coup ça te pénaliserait pour. Enfin t'avancerais lentement pour un... En même temps tu serais. Enfin. Allez hop. Et je vais voir si je peux pas t'apprendre une compétence. Qui serait vraiment pas mal. Qui serait maîtrise de l'armure. Voilà. Voilà, donc Pendragon, tu vas apprendre maîtrise de l'armure. D'abord niveau 1, puis je te mettrai niveau 2. Comme ça, tu pourras cavaler comme tu voudras, avec une armure, une armure lourde. Donc ça sera quand même bien, bien protégé. Donc voilà. Hop. Bon, bah voilà, bah écoutez, bah ce sera tout, hein, et bah merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, et j'espère vous retrouver au prochain épisode, avec un petit peu plus de chance, j'espère. Merci à tous, salut !